Voilà, nous sommes avec Corentin Auro, deuxième de cette deuxième étape. Corentin, une grande satisfaction d'être arrivé deuxième. Le premier, ça aurait été encore mieux peut-être. Ouais, ouais, mais non, deuxième, c'est vraiment bien. Je suis vraiment content d'arriver ici. En plus, à Roscoff, c'est un pays que j'aime bien, c'est super joli. Et puis, voilà, en tant que représentant de la région Bretagne sur l'eau, arriver ici deuxième en Bretagne, faire un podium, c'est vraiment un beau clin d'œil. Corentin, 25 ans, c'est déjà ta troisième solitaire, hein, c'est ça. C'est vraiment la course où il faut être très, très bon, très, très tactique. Bah, c'est sûr que je disais à quelqu'un il n'y a pas si longtemps que je crois que c'est la course la plus dure que j'ai jamais faite de toute ma vie. Et voilà, pourtant j'ai une petite. Je suis jeune, mais ça fait longtemps que je fais du bateau, donc depuis que j'ai 7-8 ans, donc j'ai fait quelques régates, mais je pense que c'est la chose la plus dure, où, même aussi bien mentalement que physiquement, il faut vraiment être dessus tout le temps, pas lâcher, même quand on n'est pas bien, il y a moyen de revenir. Et quand on est très bien, les autres peuvent revenir derrière, donc c'est vraiment très très dur. Les ambitions donc pour cette fin de course, évidemment, quand on est deuxième, troisième au général, pardon, on se dit que la première place est à portée de main. Ouais, quatrième non au général, je crois. Quatrième, pardon. Non, on va prendre étape par étape, tout peut arriver, mais là à mi-course, je suis vraiment satisfait du premier bilan pour l'instant, 9e et 2e, c'est bien, c'est régulier, donc je suis vraiment content. Après, si on peut faire les deux autres étapes aussi bien et arriver à un beau classement, ce sera bien. Mais déjà, essayer de prendre du plaisir sur l'eau, faire des bonnes étapes dans les 10 premiers à chaque fois, en étant avec les gars comme Jérémy, Fabien, Yann et tout, ça, ce sera déjà bien et on verra, on fera les additions à la fin. Merci beaucoup, hein, Corentin.